On va aller donc faire au moins cette mission secondaire. On va essayer de maximiser le tout. De toute façon, après, sinon, il faudrait faire un maximum de missions principales pour faire de la thune. Voilà, pour gagner de la boulasse. Allez, hop là! Plante médicinale, plante médicinale. Et donc, il va falloir demander à Cayette d'aller voir un peu ce poste. Traitement des matériaux, magnifique. Nous avons gagné quelques matériaux raffinés. Ok, ah ben ça nous rappelle le premier la première mission où il faut aller sauver Miller donc. Oh, il est tout pourri lui. Ah voilà, un mec un petit peu mieux, quand même. Respectez-vous quoi. Ouais, ah, c'est un petit peu moche. Et là il y a une caisse. Hop là, deux petits gars par là. Oh mon Dieu! C'est pas mal, toi. Ok, Oli, bonne nuit. Bonne nuit à toi. Des bisous. Oh merde, je crois qu'ils ont touché Cayette. Je crois qu'ils ont touché Cayette. Il y en a encore que j'ai pas repéré, un soldat ennemi.
Ah oui, non, toi t'es tout pourri en fait. En plus, t'es un fauteur de troubles. Tu sers vraiment à rien, quoi. Si, mais en fait, je lui ai enlevé le silencieux. Là, je voulais voir ce que ça donnait en renlevant le silencieux, déjà pour gagner quelques argent. Mais pour voir, donc, du coup. Non, mais Kayette, ils sont en train de tous se réveiller, hein. Quelque chose, ma grande. Ah mais elle change déjà de position? Ah bah je crois que tu l'avais, mais je crois que tu fais dodo. Et hop. Mais mince! Ça y est, je le trouve que maintenant, mais ça y est, je l'ai trouvé. Quoi? Oh putain, Kayette, elle s'est fait démouler? Ah ouais, c'est violent en fait. Ça c'est pas bon. Ok, d'accord. Oh putain, ce truc pourrave, quoi. D'accord, on peut pas l'avoir. Ok.
Ah, c'est chaud! C'est la première fois que ça arrive quand même. Please select a mission. Unit dispatched. Unit dispatched. Ah ouais, j'espère qu'elle est, c'est pas plus que elle est blessée quand même. Terrible. Bon, cette fois, il va se laisser faire, il va arrêter de me faire chier. Parfait. Ah, la mission de base qui se transforme en grosse merde parce que je fais n'importe quoi. C'est propre, hein. C'est super propre. Oh merde, il y en a un bon qui se barre en plus. Ok, il y en a plein des biens quand même. Pas censé aller là, toi.
has been updated. Je peux toujours pas rappeler Cayette. Hein. C'est terrible, c'est terrible. Ok, barrez-vous qu'on demi-mime. Ok, on a un coulon qui va venir. Please select a drop point. Dispatch requested. Ça m'a coûté 13 000 cette histoire. Alors. Cayette. Où est Cayette? Blessé. Arrived. The map has been updated. Caution. Sandstorm approaching. Extract. Oh bordel, une tempête de sable. Analysis complete. You're gonna extract him. Je sens que la tempête de sable, elle va faire bobo chez l'ennemi. Mais merde. Yeah.
extract him. Subject on board. Leave the rest to us. Qui? Il n'en reste plus que 4. Subject on board. Leave the rest to us. Hop, les deux petits derniers. Et on aura le champ libre. Subject on board. Leave the rest to us. Outpost captured. The map has been updated. Full time. Putain, c'est con, j'ai rien pour le détruire. C'est cul. Oh.
Donc, maintenant. Marker placed. Marker placed. Marker placed. Marker placed. Marker placed. On n'a plus qu'à aller chercher un petit peu tout ce qu'on nous a indiqué. Ouais, le prisonnier spécial, c'était ce que j'étais venu chercher, tout de même. C'est quand même un petit peu pour ça que j'étais venu à la base. Mais sérieusement, quoi. You have arrived at your destination. Merde, il n'y avait pas un truc là? Marker placed. Marker placed. You have arrived at your destination. Je vais faire ça quand même. Qu'est-ce qu'ils foutent les deux là? Ah, il y avait bien un truc là, diamant brut. Mais si, c'est bien sur le tout en fait. C'est moi qui suis complètement débile. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Je ne crois pas. You have arrived at your destination.
Et ça doit être à peu près tout, donc on n'a plus qu'à aller chercher le prisonnier. Et voilà. Et donc à la place de Miller. Hein. Oui, on a même la cinématique, ok. Snake. D'accord. C'est ça, un idéo des îles. C'est complètement ça. Extract. What's a big idea? Side op. Side ops list updated. Okay, subject is in. Extraction arrived at mother base. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres missions secondaires dans le coin? Pas du tout. Mais pas du tout. Donc, bah, tant pis, on va faire retour au CCA. De toute façon, vu l'heure, je pense que je vais m'arrêter là. Ce qui va vouloir dire qu'il n'y aura plus de Metal Gear Solid pendant une bonne semaine. Même un petit peu plus. C'est terrible. Et on va même pas pouvoir se quitter sur Kaïd, on va se quitter sur D-Fox. Bon, il est beau aussi mon petit D-Fox, mais je dois avouer que Kaïd, bon, c'est Kaïd quoi. Ah, les cassettes de Paz, évidemment. Et donc on a sauvé Hideo, diplomate. Ah ouais. Bon bah diplomate. Ah, alors les cassettes de Paz, il y en a encore deux à écouter. I finally had a decent draft of the lyrics, so I showed them to Professor Galvez first. He liked them. He said I had done a superb job capturing the sense of a young girl's troubled heart. There were one or two lines I thought needed brushing up. So although he said lyrics aren't my specialty at first, he gave me some advice. Everything he said made perfect sense. When I tried putting in his changes, they made the song feel deeper, more sincere. That is the professor for you. He always has the answer. With the lyrics finished, I was ready to show Miller. He does not often take things seriously, but all of a sudden, he was saying, Paz, you have the soul of an Enka songwriter. And I did not even listen to Enka all that much. Maybe I am pretty talented after all. But still, it took so much time to write the lyrics that there is hardly any time left to rehearse before Peace Day. The three of us rushed into the makeshift practice studio on Mother Base to see how we sounded together. Miller strummed away with a big smile on his face. I sang the main melody, and Professor Galvez improvised a backup melody. I know the professor is smart, but is there anything he cannot do? And Miller's guitar playing sounded a lot better now that he stopped singing. But I can hardly criticize his voice. I thought I had learned the song well enough listening to the tape as I wrote the lyrics, but I had trouble with the pitch and kept missing the rhythm. I have to practice, but there's almost no time left. It is just 3 days until Peace Day. Wait, I thought there were 3 days left before. I went and checked today's date with Miller and the professor. The date has not changed. It is the same day. Something is strange.
Am I reliving the same day? Donc la dernière. Peace day never came. Every morning I wake up expecting it to come. But it is always 3 days away. That cannot be it. I have not woken up at all. It is just a dream. It is all a dream. I am in it. And you are in it too. I am the dreamer. But you are having my dream. Do you get it now? You do, don't you? Peace day never came. With 3 days left, I followed my orders from Cypher and launched the operation. I hijacked Zeke. I fought Snake. I lost and was thrown into the ocean. I survived, but I was captured by Cypher. How happy I would have been if they had let me die then and there. Our wishes do not come true. We just cling on to our dreams. Our phantoms. Mine. And yours. But I think this one is coming to an end. After all, you have figured it out now. You can kill Skullface. Murder Huey. Slaughter Zero. Burn the whole world down. But it still won't bring me back. Me. Or any of the dead. And that was our business. War. We bought our daily bread with money paid to us for killing. Maybe us getting killed was just balancing the scales. You know, Mother Base was never the heaven we wanted it to be. But I was still happy to have lived with everyone there. It was such a short time. Such a hypocritical peace. But while I was on Mother Base, I was happy. So, I hope I am not the only one who looks back on those days with happiness. There's more to remember than hatred and rage. But of course, this is you thinking that I should think that. It is no mystery now. I am just a phantom. A fragment of the mind you have lost. The real me died a long time ago. But even so, more so, I can tell what you are really feeling. The real emotion that is locked away at the bottom of your heart. Let it fly out. Let it guide you. Live. I think it is my job to tell you that. That is why I exist. So this tape is the last one. Once you are done listening to it, I am one phantom limb that will be gone for good. My flesh, my bones, joining the silt on the ocean floor. But do not forget, as long as you remember me, I will always live within you. Not a phantom limb or a phantom anything, as part of your heart. I will always be your angel of peace. So, I know exactly how to finish. Say peace. Donc, effectivement, c'est bien... C'est bien de l'hallucination, en quelque sorte, et Snake essaie de se convaincre... Paz est toujours vivante, mais non. Elle est bien morte il y a 9 ans. Et il doit rester 2 cassettes, c'est-à-dire les recherches de Code Talker et ce qui s'est passé dans le laboratoire. La soif de vengeance parasite l'esprit. Donc il nous restera encore quelques petits trucs à écouter. Oui, la cassette existe, du coup ça fait un truc bizarre, effectivement.
Et c'est là où il faut ressortir le bon vieux « Ta gueule, c'est magique !» Voilà. Parce que la cassette aussi, il l'a rêvé, Snake. Si ça se trouve, toutes les cassettes n'existent pas. Hein. Si ça se trouve, tout ça, c'est dans la tête de Snake. En fait, là, il est encore dans le coma, Snake. Et tout ça n'a jamais existé. Ah là là. Ah ben, il y avait plusieurs choses qui vont arriver à leur fin dans peu de temps. La gestion de la base, ça donne quoi? Ah, mais notre plateforme de combat a été créée, c'est beau. Ah, elle aurait survécu et après elle se serait suicidée en une nouvelle fois. J'ai quand même vu la cassette, j'ai quand même l'impression que dernière photo qui est pas pire, c'est vrai que je suis pas encore allé la voir la dernière photo, mais j'ai pas vu la cassette, ça paraît à... On dirait vraiment que c'est Snake qui imagine tout ça, quoi. Alors là, il y a peut-être un plan nouveau. Ben non, bouclier BP, je l'ai déjà. Je crois que j'ai récupéré deux fois le même plan. Le nom de code Big Boss. Ah, la fameuse cassette opération. Un cadeau de l'homme qui a vendu le monde rend possible le développement du blouson de cuir. Une fleur étoile de Bethléem à la mémoire d'elle. Ah, de The Boss, je suppose. Parce que si j'ai bien compris, c'est les fleurs qu'il y a lors du dernier combat contre The Boss. D'où le bandana aussi. Papillon morpho. Photo souvenir jeté. Voilà. Donc ouais, peut-être qu'elle avait vraiment survécu, peut-être que parce qu'il quand même dans le donc la fin quand on revoit la scène avec le docteur et tout, on dirait bien qu'il enlève les deux bombes. Bizarrement. Il n'y a rien qui permette de dire qu'ils n'ont jamais enlevé les deux bombes. Donc bon. Mystère et boulette de gomme. Ouais, c'est vrai que l'histoire des cassettes, c'est étrange, quoi. Qu'elle soit pas revenue, mais je sais pas. Après, oui,
Si elle est vraiment revenue, enfin, si elle, elle a vraiment survécu, et que c'est dans sa tête, mais enfin, justement, si que ce ne soit pas dans la tête de Snake, et que effectivement elle se souvienne plus du passé, le fait de le revivre ou en tout cas de s'en rappeler, ça peut peut-être déclencher quelque chose. Effectivement, c'est pas. On va dire que c'est pas de l'ordre de l'impossible. Ah, il me faudra un spécialiste anesthésiste pour m'occuper de ça. Ouais, voilà, fini. D'ailleurs, l'avant-dernière cassette, la numéro 4, à la fin, elle commence à se douter. Enfin, pas se douter, elle réalise que. Elle revit intérieurement toujours la même chose. Donc. C'est peut-être pas improbable. Elle se rende compte de quelque chose. Ouais. Ah, faudra peut-être que je le développe, ça, mine de rien, pour le 100%. Mine de rien. Ah ouais. Non mais c'est après tout, tout est possible. Hein. Est-ce qu'on saura le fin mot de l'histoire? Je ne sais pas. Mais oh, je m'approche du Fulton trou de verre, hein, mine de rien. Ok. Please select a mission. Unit dispatched. Unit dispatched. D'accord. Bah après, bah, oui, voilà, il me manquera ces missions-là, mais je pense que j'ai déjà un paquet de listes de missions secondaires à faire. J'ai toutes les missions quand même à refaire, celles que j'ai déjà pour avoir tous les objectifs, etc. Il me reste encore 50% du jeu à faire, mine de rien. Mine de rien. Donc oui, mais on a vu, voilà, j'ai vu toute l'histoire, enfin toute l'histoire telle qu'elle est là. Avec ses qualités, ses défauts, mais le jeu n'est pas terminé et donc pendant une bonne semaine, il n'y aura plus de Metal Gear parce que je n'aurai plus accès à l'ordinateur de Craig Bull. Et ensuite, eh ben, on s'y remettra un petit peu de la même manière et peut-être même parfois en journée histoire d'avancer. En tout cas, merci encore Spike d'avoir suivi jusqu'au bout. Et à ceux qui sont encore là, mais qui ne parlent pas. Eh ben, Mizu par exemple.
Non mais oui, je vais me coucher, notamment d'autant plus que demain, bon. Voilà, je ne serai pas plus là demain. Donc le prochain live, ça sera probablement lundi soir. Et ma foi. Moonlight, c'est le logiciel qui permet de... qui me permet de jouer à distance sur le PC de Crackball. Et qui buguait un peu au début. Voilà. Le fin mot de l'histoire. Donc, bah écoutez, les gens. Ma foi, passez une bonne soirée, une bonne nuit déjà. Une bonne fin de semaine, un bon week-end. Si on ne se revoit pas d'ici là, il y a peut-être des chances que demain je sois sur le stream de Oli. S'il stream. Et pas, probablement pas toute l'après-midi. Merci Mizu, merci les gens. Merci Spike. Tout pareil à vous. Et bah, des bisous. Voilà. Des bisous et à plus. Ah mais merde !